Oui, au fait, comme un pirate que j'ai monté à bord, qui m'a tout pillé, au fait, mesdames et messieurs, vous êtes en train de vous régaler avec ces différentes chansons vous proposées dans cette antenne d'animation matinale Bonne Humeur. Mais avant juste de pouvoir basculer à la deuxième partie, bien sûr, qui est la grande, nous ne manquerions pas au fait de vous parler de la célébrité du jour. Et aujourd'hui, de manière très écourtée, nous avons choisi pour vous, plutôt Myriam Makeba, comme nous sommes dans le mois de mars, et nous sommes le 4 mars, et Myriam Makeba est née un certain 4 mars d'une certaine année. Myriam Makeba est née le 4 mars 1932 à Johannesburg, nous sommes en Afrique du Sud, et décédée le 9 novembre 2008 à Castelvolturno en Italie. C'est une chanteuse d'ethno-jazz et une militaire et une militante politique plutôt sud-africaine naturalisée guinéenne dans les années 1960, puis algérienne en 1972. Elle est parfois surnommée Mama Africa, contrainte à l'exil pendant une trentaine d'années. Elle parcourt le monde et multiplie des succès musicaux. Elle devient surtout une des voix contre l'apartheid et pour la fierté du continent africain. Elle rentre en Afrique du Sud, c'était en 1990. Myriam Makeba, elle est née il y a 91 ans, 0 mois et 0 jours. Hein. Elle est également morte depuis 14 ans, 3 mois et 23 jours, cause de la mort. Crise cardiaque, comme signalé dans sa biographie. Voilà, catégorie des chanteurs, signe astro-poisson, plutôt signe astro-chinois, Sing. Voilà, mesdames et messieurs, le petit portrait de Myriam Makeba. Nous allons revenir à Trésor Tuali pour cette petite pause publicitaire. Et en fin de compte, nous allons prendre un autre invité du jour. Question de vous basculer directement dans l'interview du jour, dans cette antenne d'animation matinale Bonne Humeur. Restez branchés sur les ondes de l'échelle télévision. Nous sommes en train de nous torturer pour ne pas vous faire mal. Nous sommes loin au fait de penser vous décevoir un certain jour. Nous nous débrouillons matin, midi et soir pour vous faire vivre des grands rendez-vous, des bons moments avec votre chaîne, la Chahidi Télévision. Nous revenons donc à Trésor Tuali pour cette petite page publicitaire. Et juste après cette petite page publicitaire, nous allons vous revenir pour prendre notre invité du jour. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, nous voici revenus sur ce plateau de Chahidi Télévision, spécialement dans cette deuxième partie de notre antenne d'animation matinale Bonne Humeur, en question de vous faire vivre la beauté même et les potentialités d'Ouvira. Et aujourd'hui, Théâtre de Méchamp Poké à Bwana Hippolyte Bakari, nous sommes avec lui sur le plateau. Hippolyte Bakari, Jambona Karibu. Jambona Asante Sana. En fait, c'est pour nous un plaisir, Koukou Anaoué et Léo, sur ce plateau de Chahidi Télévision. Question de vous découvrir, bien sûr, pour la première fois dans cette antenne d'animation matinale Bonne Humeur. Hippolyte Bakari, en tant qu'artiste, en tant que personne, quel genre d'éducation n'est pas pour Koukou Anaoué? Quel genre d'éducation n'est-il pas Léo, en tant qu'artiste, quoi, En tant que personne. En tant que personne, j'ai reçu plusieurs éducations. Ça va, comme on dit, quand on a qui la moutou pour la première fois, c'est pour toi un maître. Mais qui la moutou, mon nom, c'est un maître pour toi. Donc, qui la qui tourne, c'est qui, il faut que c'est qui, et tu n'as qu'à go à nous. Voilà, et aussi pour ce qui est de la famille, si ce n'est pas un secret, Hippolyte Bakari, ou les alliés Mazingira Gani, Katika Familia ya Ina Gani, ambayo imekujenga kama wewe. Nilizaliwa mfamilia ya Kikristo. Tuna watoto watano, niko wa pili, piko banamuke ba ini. Le père, la mère. Ouais, le père, la mère, tout est là. Une famille chrétienne avec un papa, une maman, quatre filles et un garçon. Le papa aussi s'appelle Hippolyte. Non, lui, c'est Bakari aussi. Mwenyemali Bakari. La maman.
Iragi Chikuju. Ah, voilà. Banasema kwamba les signes des zodiaques, hein, watu banakuwa wanazaliwa ku date fulani wanakuwa biko na ma signe fulani. Pour ce qui est du jour, l'heure peut-être de naissance. C'était un jeudi. 21 décembre, okay. Cherchais l'année, normalement dans 21 décembre jeudi, donc cherchais à partir de 1998 ou pas qu'à 2002. Ou en allé moelle et carré palé, 21 décembre, il tombe qu'à jeudi, c'est que c'est là-bas. Comment c'est quoi tout ça? Ah, cool, c'est quoi moi à tout? Moi, il quoi jeudi, c'est unique. Voilà, mesdames et messieurs. C'était 15 heures en passant. Je vous présente l'artiste humoriste de la ville d'Ouvira. Du territoire de la province du Sud Kivu, mais pourquoi pas de la RDC, Hippolyte Bakary, Ambaye Tukona et Kwale Ohi. Hippolyte Bakary, vous avez commencé comme des petits jeux. Aujourd'hui, humour inakupele kana fasiga. Ah, Léo, par rapport à Mbele, 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 sana, ça va un peu, je dis. Nanifikisha fasi kwenye, peut-être nigesemaka, je pense pas que nigefika kaye vivi. Mais aujourd'hui, quand même, grâce à l'humour, la fille qui a fait ses foulanes, grâce à l'humour, je rêve. Ça me permet de rêver, d'avoir plus d'ambition que Zengi Ningekwa, Nazo, peut-être Mouingi Nikitu. Mais l'humour nous permet de faire ça, pourquoi on a mawazi à Kondelecha, Mouji aussi, mais grâce à l'humour. Ok. Voilà. On le dit toujours, pour la construction d'un grand mur, il y a des personnes qui apportent des pierres, qui apportent des cailloux aussi. Pour que mtu akue aweze kujenga kile ambacho labda anakuwa anakifikiria wewe. Vous avez des managers, vous avez des gens qui vous supportent pour que labda aweze kufanikisha rêve yako. Jusqu'ici, le plus grand sponsor ni public. Okay. C'est le public qui est là, c'est le public qui me porte, c'est mon cœur yabo, nanjo la nisedia jusqu'à présent. Mais côté artistique, je peux dire que quand même j'ai une petite équipe avec laquelle je bosse, Bujumbura beaucoup plus. Il y a le centre culturel Izuba au Burundi, il y a une partie qui a cadré à bien pour la création, tout ça. Et il y a un autre centre dans lequel on y produire. Okay. Donc ça joue un peu comme ma maison de production, donc, on a un spectacle beaucoup plus Bujumbura. Ça nous produit, mieux qu'on a produit aussi la scène qu'on a imaginée récemment, qui est la scène régulière, qui est Jeudi Ri. Donc, c'est la plus grande maison actuellement avec laquelle je travaille, qui m'aide beaucoup plus à me propulser en tant qu'artiste. Alors, l'apport du public, c'est quoi? On a quoi, à chaque fois que tu as besoin, tu lances un appel au public, tu as quelque chose, et voilà. Comment ça se passe? Non, le public est là, je me dis. Par exemple, pour Jeudi Ri Bujumbura, c'est un truc qu'on a lancé, on s'était dit, le stand-up est un peu mort dans ce région, tout ça, on s'est dit, tu fais quelque chose à quoi? Entrée libre. Donc tu payes ce que tu as. Le stand-up, c'est quoi? Peut-être pour ceux-là qui nous écoutent en ce moment, stand-up comedy, humour, c'est-à-dire ce que je fais moi. Tu montes sur scène, ou copale, tu fais rire les gens, normal, c'est comme si on parlait, tout ça, et il y a des vannes, des musico, comme on appelle ça, blagues. Il y a des blagues, des musinatoka, des jokes, et ça c'est du stand-up, quoi. Voilà, na labda tukijaribu kuangalia pour ce qui est de la ville d'Ouvira. Oui, kama wewe, ça fait des jours, ça fait des années que tu es en train d'œuvrer dans ce domaine. Quelle est la face de l'humour? Quelle est la face du stand-up katika mji wa Ouvira pale? Méconnu. Pourquoi? Ça, je vais le dire. J'ai toujours répondu à cette question en disant que la plus grande faute incombe à nous, artistes, ok? La plus grande faute incombe à nous artistes, dans un sens où à tout quoi on a dû vendre ça. Mais aussi, il est arrivé un moment où, des fois, on a tout à fait un kit ou un angalia. Des fois, on se demandait, mais milieu, tout quoi, mon joie, comme milieu, bien, mais non. Ça, je l'ai remarqué quand je joue tout ça, on a pendu à scène, on a joué. Donc, le public est là. Le public a soif de l'humour. Mais chien, tu le quoi, tu dis, tiens, ça, mais aussi à tout quoi, on a ma maison, peut-être, ça coûte tout ça, dire que tu pushes, qu'on a mis. Mais avec une équipe, il y a tout l'essayer pour monter. Et dans la ville, bien sûr, on a une équipe et tout l'essayer pour monter. Une équipe avec laquelle on n'a pas encore réalisé des choses. Mais tout comme Mbion, quoi qu'on allait ici, on va faire des choses pour que Nashi et Ville, il coûte au niveau moins via bien, du point de vue artistique, beaucoup plus mon art oratoire. Je parle bien sûr du stand-up, du slam et du théâtre, du vrai théâtre en tout cas.
Voilà, nous allons demander à Trésor Ntouali de prendre une très petite pause, une très courte d'ailleurs, si c'est une chanson ou juste une page publicitaire, question de régler certaines choses. Et nous allons revenir sur ce plateau encore une fois de plus avec Hippolyte Bakary. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous êtes en train de suivre La Bonne Humeur sur les ondes des chaînes de télévision. Vous avez la possibilité de pouvoir nous contacter au travers les numéros qui s'affichent au bas de vos petits écrans. Ça sera pour nous un plaisir de pouvoir vous avoir nombreux à la suite de ce programme. Nous prenons cette petite pause et nous revenons juste après. Voilà, ça c'était juste un avant-goût de cette très belle chanson, d'abord d'ailleurs, qui est une nouvelle parmi les sorties de la ville d'Ouvira, un fils d'Ouvira, bien sûr, qui fait très bien dans le domaine musical, H.A. Karimou. Mes salutations de partout, vous êtes en train de nous suivre. Voilà, Hippolyte Bakary. Alors, César oratoire doivent relever pour que dans la ville d'Ouvira, il court en un certain moment, il a pensé, il a vibré au rythme des arts oratoires. Défi à Kabambi, je crois, bon, pas défi, mais qu'est-ce qu'on peut, je peux dire ce qu'on peut mettre, parce que des physiques. Okay. Mais je me dis, à toi aussi, quand on a défi, comment tu y as un jour. Moi, je pense que tu as sur quel verrou gagne en bas, juste dans le temps, ce n'a pas chaque fois, sauté pour que l'Abda Nji ait osé pour nous. Pour un Nji. Ok. Dieu qui tu nous assime. Pour que Nji ait fungu, tu as quand même tu l'as mouké, tu n'as pas, tu l'as passé, mango, tu vales, tu as un Nji. Dans un sens, il y a que c'est manini. Au cas où tu n'as pas, tu écoutes quand il n'y a pas de tu as ta foutu manier qu'on a fungu. Okay. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fungé à coucher et payer que les artistes orateurs, si on peut dire ça. Tout ce que j'ai fungé à coucher et payer que disant que non, parce qu'il y a ces trucs-là avec les artistes, mais on a fait un oratoire. Non, nous sommes très intelligents, on ne peut pas voir tel, on ne peut pas voir tel. Tiens, un avis, il est mon cher. Mm. On est dans un monde où tout le monde apporte un plus à tout le monde. Okay. Donc, comme je l'ai dit au début, qui l'a montré où on a rencontré mon vieux, c'est un maître. Et il peut t'apprendre toutes choses, mon vieux. Il peut t'apprendre toutes choses, mon quelque chose, mon vieux. Donc, en tant qu'artiste, orateur, slameur, humoriste, comédien, tout si même, tout le monde peut apporter un plus. Tout le monde peut apporter un plus, mais de façon, tout y a pour y vendre. Tout n'a pas à vendre mon bail à mon métier. Ok. Alors, Hippolyte Bakary, artiste humoriste, ça, c'est de la comédie, mais très pensée, très rythmée, très raisonnée. En fait, nous sommes sur Chaîne Télévision, bien sûr, une première dans la ville d'Ouvira. Nous sommes en train de nous débrouiller tant bien que mal. La question de faire vivre le rêve du développement pour la ville d'Ouvira. Hippolyte Bakary, on en guère un peu très sérieusement là. Fais-nous quelque chose non, pour ces téléspectateurs en bas. Non, c'est normal pour moi qu'on ait normalement ici. Non, regarde tout sérieusement. Je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Par exemple, Samir Asema, qui est la route d'Ouvira, c'est l'unique route au monde. Quand il y a un envolo qui kamata, on n'a pas maquillé. Ça commence ça. Tu es maquillé partout, mais non, pas vraiment partout. Tu es maquillé par des parties. Tu es maquillé là-bas. Hein, tu es maquillé là-bas. Et quand tu as des cheveux comme moi, tu es maquillé seulement là-bas. Hein. En fait, ne te demande pas, ce n'est pas une teinture, en fait, c'est la poussière qui fait ça. Hein, c'est une poussière qu'on aime beaucoup. Et, oui, c'est l'unique route au monde aussi. Quand il y a l'eau, ça ne signifie pas route nationale. RN ne signifie pas route nationale, mais non, ça signifie rivière nationale. Tu vois, tellement il y a l'eau partout, on ne fait pas accident, on fait naufrage. Même quand tu suis à la radio, on dit 6 personnes sont mortes par noyade. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. On dit dans la RN, une fois la RFI, on a dit 6 personnes sont mortes par noyade. Dans la RN5, il y a des gens qui ont demandé non, coupez la radio un peu, coupe. On dit, mais nous on entendait. Mais non, coupe. On coupe la radio. Oui, on coupe, on a coupé, tu vois, les Michi, il fallait couper pour qu'ils parlent avec lui. RN, une seule personne sont mortes, RN5. On a dit non, c'est Rivière Nationale. On dit, ah, j'avais pas compris. Ça, c'est notre vie à nous, on comprend, c'est notre route. Aussi, c'est l'unique route, tu vois, quand tu prends la moto, parce que je ne sais pas si tu avais remarqué, pendant un moment, on avait interdit aux femmes enceintes de prendre la moto. Ah, okay. Tu sais pourquoi on interdit aux femmes enceintes de prendre la moto? Non. Parce que si elle prend la moto, elle accouche. Ah, elle accouche comment? Ma petite sœur était enceinte de deux semaines. Elle a pris la moto, arrivée au niveau de général, elle a accouché. L'enfant avait 6 ans. Mais elle enceinte de 2 semaines, mais elle accouche d'un enfant de 6 ans. Ah, comment ça? Des choses. Non, toi, tu joues avec cette route. Oh.
Ça, c'est pas ta route à toi. Hein. Mm. Il ne faut pas jouer avec. Mm. Mesdames et messieurs, nous sommes avec Hippolyte Bakary sur ce plateau de chaîne de télévision, dans cette antenne d'animation matinale Bonne Humeur. Ça, c'est question de vous faire vivre de la bonne humeur avec nous. Cher artiste, tu es à Uvira, au Likwa Bujumbura, pour ton séjour académique. D'ailleurs, on a appris dernièrement qu'il y a Bac plus 3. Joaé. Nous, on a étudié dans l'ancien système, on connaît. Et moi, mon bon, ma bac plus 5, licencié. Ah oui, licencié. Trop, pas moins. Ah, tu as fait 3 ans, là, nous sommes licenciés tous. C'est la même chose. Pourquoi vous signez quand même que je suis dans la ville? Je vous teste comme ma ville. Ah bon? Ça. Mais pourquoi vous, quand même, ni chef lieu à province? Ah, tiens, ma chef lieu, elle vient une ville. En tout cas, Hippolyte Bakary, vous êtes en séjour à Uvira, au Lerudia Kupale. Par rapport au niveau, il n'y a pas le coach à atteindre. Rester à Bujumbura, c'est avoir les opportunités, c'est avoir à des occasions de prester, c'est avoir des occasions d'être vu par les grands publics, c'est avoir les occasions d'être vu par un public hétérogène, composé des intellectuels, des personnes venues de tous les coins du monde. Rentrer à Uvira, c'est pas faire un recul par rapport à votre carrière. Bujumbura, Uvira, c'est combien de minutes encore si je prends la moto? 35, 40, je ne sais plus trop. Ah, je sais pas. Mais c'est tout proche en fait, c'est tout proche. De dire je peux être à Uvira comme être à Bujumbura, c'est pareil. Okay. Parce que Bujumbura, ça m'a apporté plus dans ma vie artistique. Et même académique aussi. Et académique aussi, ouais, bien sûr, tout ça. Uvira, ça reste ma ville, ça reste ma maison. Donc celui-là, c'est ma comme ça ou quoi, tout moi. Ah, ok. Mais également, on dit que ndege ambaye aruki kwa mabawa yake ataona kwenye matunda ya kuivya iko. Ndio. Mais ba chinois banakubalifanya kitu, même les Sénégalais faisaient pareil. C'est-à-dire que unatuma watoto yako wanaenda soma, banaona venye pengine banafanyaka vya mzuri. Sasa banabi apprendre vyote. Banarudia sasa kunyumba, juu kuleta mabadiliko mumuji. Ok, on prend que Hippolyte Bakary est revenu à Uvira. Avec quel rêve pour l'humour de la ville d'Uvira? L'humour dans la ville d'Uvira. Nikusema, à travers l'humour. Moi d'abord, à travers l'humour, Kwanza, bon, l'humour, mon ville d'Uvira, je veux qu'il n'y ait pas de djinaki, pas de fasiaki. En tant qu'art, il n'y a art à part entière. C'est-à-dire que tout ce qui est mon niveau, il y a tout qu'on a fait des spectacles qui est d'humour, sans d'autres personnes, qui est d'humour. Là, tout on est remplir des salles, quoi. Pourquoi pas commencer par 50 places, 100, 200. 250, 500, 900. Et pourquoi pas un jour avoir un festival d'humour. Il y a Uvira, comme ça, nous aussi, on commence à inviter Benguine Bartis comme on nous invite ailleurs. Par exemple, quand on m'invite à Bukavu pour Zéro Polémique, tu arrives, tu as les directeurs joyeux qui est là, qui a invité les Herman et les autres. Pourquoi pas demain, Nashie Tusiki et Mouvira, tout le monde a invité Batu Benguine. Tout ça, c'est avec le temps. Mais ça demande quelque chose. Il y a Moukono et Kilamoutou, parce que Chie Peke by Maurice, à Touezouez. Bien sûr que tout qu'on a rapport à Kabambi, mais mon connu à qui la moutoundani, t'as quoi à Mahanassan. Et ça te fait comment, on t'a connu dans ta carrière avec tes différents potes D'ailleurs, dernièrement, c'était quel groupe théâtral? Ballet Oumoudia. Ah oui, Ballet Oumoudia, on t'a connu dans Ballet Oumoudia, on t'a connu avec les Inconnus parlants. Ça te fait quoi au cœur de voir les gens avec qui vous avez commencé, qui stagnent au fait, qui ne font pas un pas d'avance comme vous le faites dans cet art? Je pense que tout dépend de la motivation. Tu sais, artistique, mais qui tu es né, ça demande beaucoup d'endurance. Aujourd'hui, je connais beaucoup de grands artistes, mais il y a eu qu'on a ma défi, mon mari, je sais que tu disais les défis. Yeah. Aujourd'hui, ils ont des femmes, ils ont une famille à nourrir, ils ont des loyers à payer. Et tu te retrouves qu'il y a comme un stand-up comedy, comme un slam, comme un théâtre. C'est un art, comme je l'ai dit, comme méconnu dans la ville. Dire que Dieu n'a pas été marché à Kusema, le fin du mois, n'est-ce pas, tu as 50 $, ni il peut pas signer, il y a 10 $. C'est compliqué. Mais du coup, il faut du tout passer une ligne. Or, artistique, il n'y a pas de temps. Ça demande du temps. Tu arrives à un moment où tu as avancé bien. Oui.
on a fait ta un mois au produire texte, deux mois tu ne fais rien. Alors moi je ne si blâmer ça n'a pas les tout. Je dis simplement que ni défis à Maïcha. Mais peut-être que si Dieu prête vie, si Dieu nous aide encore beaucoup plus avec la main de tout le monde, comme je l'ai dit, tout qui nous dit à bien et si on bosse, peut-être qu'il y a des accords anatomiques à Kazizaki, mais les artistes, nous qui sommes encore jeunes et miniatures, quand on a ma défi, c'est mingi sana, tu n'as pas un attaque ou n'imba quoi, tu n'as pas un vieux. Je sais qu'on a ma défaut, qu'on a ma toto, qu'on a mère et tout ça. Mais d'ici une soirée, est-ce que tu as tenu qu'à partir à 20h ou pas 23h? Moi, je peux appeler à la maison, maman, t'as aidé, mais t'as l'air qu'on a une acabam, mais c'est parce qu'il n'y a pas talentueux ça. Tu as tenu qu'à comme ça, tu n'as pas de conseil, et avec le temps, peut-être qu'avec le temps, arrêtant Zalipa, n'en a pas délaissé. Ou ma activité, vous les venir pour l'épaule, pas de se concentrer 100%. Alors, voilà. Un très bon message. Nous saluons la grandeur, au fait, des gens comme Prof Mango. Nous saluons la grandeur des gens comme NMK. Nous saluons la grandeur des gens comme Bruce. Nous saluons la grandeur des personnes comme Freddy Sainté. Nous saluons la grandeur des personnalités comme Martin Solo. On sait bien qu'avec votre apport, avec votre collégialité, on peut faire des grandes choses dans la ville d'Ouvira. Hippolyte Bakary, Labda, en ta présence ce jour à Ouvira, quelles sont les prévisions Labda Kwaraya à Ouvira, Amba ou Labda qui nous suivent na wanaweza à peine dans un jour, que ce soit un début, il y a quoi à faire vivre cet art de la parole à la population d'Ouvira. Mes prévisions. Bon, j'avais déjà joué, je crois, Kidjana stand-up. Oui, et j'ai eu de bons retours. S'il y a eu des gens qui ont fait l'hypocrisie, c'est leur affaire. Ce qui est sûr, moi, je pense que j'ai réussi. Mmh. Donc, j'ai eu de très bons retours et c'était très bien. Et jusqu'à présent, avec l'équipe et tout, l'essayer qu'on formait, on essaie de voir comment on va organiser des spectacles au courant de cette année afin de faire vivre l'art dont nous sommes en train de vouloir installé, vraiment instauré dans la ville d'Ouvira, quoi. Voilà. Nalabda, si seulement un échelle y a temps et mes chakwa définis, qu'on rêve peut-être avoir Hippolyte Bakary avec une équipe des paroliers sur scène dans un délai bref et à mars. Parce que je peux dire, je crois vers fin mars, début avril, comme ça, il y aura déjà des dates. Parce qu'il faut qu'équiper tout ce qu'il a en place, tout ça pour donner des dates. Mais juste, je crois que c'est très très prochainement, il y aura une date de prévue. Et à part ça, je veux juste prévu à Batoussir, même si mon collègue n'aimerait pas que je dise ça. Bon, comme il est au Burundi, il ne va pas suivre ça. Peut-être sur YouTube. Et si tu suis, excusez-moi, Koto, je dois le dire, c'est dans ma ville, ok? Nous sommes en pleine création avec, avec un artiste, un grand que je respecte beaucoup, Kubakuba, qui est un humoriste burundais. C'est un spectacle qui porte sur la cohésion sociale dans la sous-région des Grands Lacs. Donc, il y aura des dates. Tu as quoi me tourner? Tu as tourné dans un mai, si je ne m'abuse, tu as quoi me mai. Et tu as quoi tourner? On avait déjà prédéfini les dates. Mais je leur ai dit, mais non, on ne peut pas faire on peut pas quitter Bujumbura pour aller à Bukavu directement. Non. Comment ça s'est fait? Non! On vient à Ouvira d'abord. Donc c'est comme ça, Ouvira est sur la liste. Donc sur les dates, la première date de la tournée, c'est Ouvira. Voilà, avant juste de pouvoir prendre les dernières minutes, parce que nous sommes encore du temps là, Hippolyte Bakary, vous avez été en Abidjan, vous êtes passé par Ouvira, question d'appeler le public, votez pour moi, je dois aller à Kinshasa. Enfin, vous êtes parti à Kinshasa. Dis-nous, cette tournée-là, cette nouvelle expérience dans ta carrière, c'était comment? Ah, c'était grand. Ce que je peux dire, c'était grand. C'est grand, c'est arrivé au moment où moi j'étais là, je me disais, putain, c'est sûr, vous annoncez tard, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Parce que des fois, on se pose des questions à des artistes. Mais après, il y a cette nouvelle, on me dit, c'est bon, Hippolyte, tu viens, tu participes dans un concours. Parce que quoi, tu as postulé, on a postulé. Enfin, non, quand je dis postulé, pardon, comprenez pas mal. Tu en postules pas. Je ne postule pas, non. J'ai postulé en 2022. Ouais, c'est différent. Donc, tu as postulé en 2022, ok, oui. Ça, tu comprends mal. Je vois, j'ai compris. Je peux appeler quelqu'un ici. Qui ça? Pas me pousser à dire les noms. J'ai des contacts dans mon téléphone, bien sûr. Donc, c'était en 2022, donc on avait postulé, il y avait 577 candidats, bien sûr.
Il ne nous a qu'à postuler. Il n'y avait que 20 qui avaient été retenus. J'étais dans le 20. Putain, c'était chaud au cœur. Et après, je suis parti à Abidjan pour les demi-finales. Pour moi, c'était une très grande expérience parce que ça m'a ouvert au monde. J'ai vu ce que les autres font ailleurs. J'ai vu des choses que je n'avais pas encore vues avant. Bien sûr, j'ai pris l'avion pour la première fois de ma vie, il faut le dire. J'étais très content, même si j'avais peur au début. Mais j'avais l'impression que j'allais avoir un enfant. Donc tu vois, les mêmes nausées qu'une femme enceinte. Tu vois, mais c'était bien quand même en Abidjan parce que c'était une très grande expérience. Après Abidjan, je suis parti à Kinshasa. On a vu comment dans d'autres, c'est bien sûr à Toisi Lingani chez Kinshasa avec Abidjan ou Kinshasa. Ou bien Abidjan avec Uvira, Uvira avec Kinshasa. C'est deux grandes villes en Afrique francophone. Zinzi, très loin, côté artistique, côté culturel, côté programmation à Toisi. Mais juste avec ce qu'on a vu, Nashi Tuneza Fania bien Muzuri, ce que j'ai vu, Tuneza Fania bien Muzuri au niveau... Mais Uvira quand même a joué son rôle dans tout ça. Bien sûr, Uvira a joué un grand rôle. Moi, ce que j'ai retenu dans tout ça, je crois que je l'avais déjà dit dans une émission Shondo News, c'est grâce à Uvira que je suis parti à Kinshasa. Grâce à Uvira, parce que c'était... Moi, c'est là que je me suis dit, mais comment les gens ils peuvent me porter comme ça dans leur cœur? J'ai senti un... J'ai eu un amour, jusqu'à un moment, je me disais, mais c'est pas moi, on peut aimer comme ça. T'as pas droit à ça. Non, à un moment, je me disais, mais comment? Comment il y a des gens qui me disaient, mais Hippolyte, on t'aime, tu es notre représentant. J'avais l'impression d'être le président de la République. J'avais l'impression que je devais construire une route, quoi. Donc, la RN5. La rivière nationale numéro 5. Mais il fallait qu'on... Il fallait la transformer en route. Oui, il fallait qu'on y cure aussi, juste vite ma inondation. Bref, donc, tu vois, il y a ici cet amour du public et cet amour de la population d'Ovira. Et moi, je me suis dit, mais putain, on a un amour mais immense dans la vie. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais Ovira, amour, chapeauté, tout ça. Mais quand je vis ce que les gens m'ont donné, je me suis dit, mais ça, c'est du vrai amour. Et quand les gens me disent, mais... Parce que des fois, les gens me disent, mais... Ousirudi était à Ovira. Tiens, Ovira, il y a des nyuma. J'ai dit, frère, c'est vrai, Ovira, il y a des nyuma. Quand Ovira, il y a des nyuma, ça. Banani va t'épeler, Kambele. Quand Massio Chichi va tout Ovira. Il y en a qui viennent comme ça, avec bien sûr l'amour de ramener Uvira au devant, et puis Uvira est là-bas, engloutir. T'as pas englouti, aïe. T'as pas englouti, mon niveau gagné. Voilà, nous sommes presque à la fin de notre espace bonne humeur. Hippolyte Bakary, nous avons besoin d'avoir de la bonne humeur avant de nous séparer. Il y a ces gens-là qui vous observent. Tu veux que j'ai pas rien de quoi? Il y a un type qui a ses soucis. Il y a un type qui n'a rien eu hier. Il est en train d'hésiter d'aller faire du job quelque part. Il n'a pas la foi s'il va avoir quelque chose. Mais il a quand même besoin de la bonne humeur à ce net moment en provenance de Hippolyte Bakary avant de nous séparer. Tu veux que je parle de quoi même? Moi, je ne sais pas, mais... C'est lui-là qui t'observe, là. Moi, je vais te dire quoi? Toi, tu as tes soucis. Ok, tu as des soucis. Tu veux que je te dise quoi? Tu veux que je dise d'aller te suicider? Eh, frère! Tu veux mourir? Écoute, si tu as envie de te suicider, fais très simple. Très, très simple. Mets la caméra. Écoute, mets la caméra. Suicide-toi. Dès que tu es mort, prends la photo, publie. Nous, on veut juste savoir. Et puis, on va louer une salle pour toi. Tu vas nous dire comment ça s'est passé, ta mort. Comment tu t'es senti quand tu étais en train de te suicider? Parce que c'est les problèmes que j'ai eu avec un frère récemment. Parce que je lui ai posé une question. Mon ami, quand on meurt, où est-ce qu'on va? Et tu vois, où va-t-on après la mort? Tu connais cette question? Tout le monde se pose cette question. Moi, j'ai voulu savoir. Il m'a dit, Hippolyte, t'inquiète, j'ai une idée. Meurs. Et va. Quand tu vas revenir, tu vas nous dire où est-ce qu'on va après la mort. J'ai compris où est-ce qu'on va après la mort. À la cathédrale. Non, je sais. Voilà, mesdames et messieurs, et c'est par ici que nous sommes en train de mettre un terme à cette antenne d'animation matinale Bonne Humeur sur les ondes des chaînes de télévision. Le plaisir était nôtre de pouvoir accueillir ce grand artiste, ce fils d'Ouvira, qui fait la fierté au fait de notre entité, notre petite ville physique mais grande dans nos cœurs, aux yeux du monde, aux yeux de toute la planète, Hippolyte Bakary. C'était pour nous un plaisir. Le plaisir est pour moi. Nous vous souhaitons tous les biens du monde dans votre carrière. Bien du monde, et c'est bien toi-même, tu sais. Merci. Voilà, merci Trésor Toali. Nous séparons ainsi et juste pour un autre jour, pour un nouveau numéro de Bonne Humeur.